Qui? Quelle transition? Quelle sortie après ces plus de 6 semaines de manifestations? Effectivement, il y a plein de candidats, un pléthore de candidats. La plupart d'ailleurs ne sont pas fondamentalement des gens qui ont travaillé main dans la main avec l'ancien régime. Cela dit, une partie d'entre eux, je pense à Ali Benflis notamment, qui a été quand même le premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, qui est un homme a priori politique tout à fait respectable. Ali Benflis même est contesté par la rue. Il y a Abdelrazak Makri, qui est un islamiste modéré, qui est le chef du parti de MSP, qui a, avec d'autres chefs de l'opposition, multiplié les réunions alors que les manifestations se poursuivaient avec ces gens de l'opposition pour essayer de construire cette transition. Mais les Algériens de la rue, à leurs yeux, qu'ils aient raison ou tort, considèrent que ces gens-là sont des gens de l'ancien régime. Ils veulent un véritable coup de balai. Néla Latrousse, et vous le mentionnez également, regardez comment les slogans ont évolué de manifestation en manifestation. Au-delà de l'euphorie, il y a aussi un véritable sens de l'humour algérien. Et ils ne sont pas dupes. Ils font comprendre à ceux qui, entre guillemets, boxent à l'air libre officiellement et en public en ce moment, ils leur font comprendre que ce sont eux qui, à la fin ultime, ont le pouvoir décisionnaire. Ce sont eux qui décident du sort de l'Algérie parce qu'ils manifestent depuis des semaines. Et c'est formidable.